السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée du dimanche 15 Shawwal 1435 de l'Hégire, correspondant 10 août 2014, bi'idhnillah ta'ala. Tayyib. Donc on va faire, inshallah ta'ala, on va répondre à certaines questions, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Avant de commencer les questions-réponses, j'ai dit, il serait bien qu'on dise quelque chose, par exemple, comme ça, puisque pendant tout ce mois d'août, il n'y aura pas de cours, il y aura seulement des questions-réponses. Et encore, dans les jours où je serai libre, comme hier par exemple, c'est samedi. Normalement samedi, on a, si on n'a pas cours, on a au moins questions-réponses. Mais hier, il n'y a pas eu, parce que j'étais occupé. Donc, à chaque fois qu'on peut, inshallah ta'ala, je suis présent. Donc, je me suis dit, si on disait un livre, par exemple, naam, ou comme ça, certaines messages, certains livres, en même temps on répond aux questions bi'idhnillah ta'ala. J'ai choisi comme livre un livre qui s'appelle Fatwa contemporaine de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et dans ce livre, c'est regroupé la plupart de ces, enfin beaucoup de ces fatwa dans tous les domaines. On va commencer, inshallah ta'ala, parce qu'il y a un rapport avec le dogme, aqidah. Je vais dire quelques-unes, inshallah ta'ala. Oui, on va commencer par la première. Est-ce que vous m'entendez, Fawzi? Smaïd, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Première question. Quel est le statut du serment fait par le Coran et de la prosternation pour celui-ci? Quel est le serment pour celui qui fait un serment par le Coran et le statut de la prosternation pour le Coran? Cheikh Al-Albani rahimahullah répond: le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la parole d'Allah est l'un de ses attributs. Par conséquent, il est permis de jurer par le Coran. Ça, c'est la question. Il est permis de jurer par le Coran. Les savants ont dit: si tu jures par le Coran, tu as juré par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, c'est un tribut de l'être, de l'essence et de l'acte aussi. Mais ils ont dit, à condition que si tu jures par le Coran, tu mets dans l'intention que tu vas jurer par ce qu'il y a dans le Coran, la parole d'Allah. Non pas, yani, la couverture et les feuilles, etc. Non. J'entends par le Coran la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la deuxième question, la deuxième partie, il a dit: si tu cherches à te prosterner pour le Coran en tant que noble, en tant que parole du Très-Haut, on dirait que cela est permis. En revanche, se prosterner pour le mushaf, le livre seulement, on va autrement. En effet, ce dernier renferme quelque chose qui n'est pas un attribut d'Allah Ta'ala. Vous avez compris? Donc il y a la différence entre se prosterner pour le livre ou pour le mushaf. Afin, pour la parole d'Allah Ta'ala qui est dans le livre, ou bien pour le mushaf qui est quoi? Qui est l'ensemble des feuilles, couvertures, etc. Deuxième question. Est-il permis de consommer des animaux égorgés par les saints et les mausolées, sachant que l'immolateur prononce le nom d'Allah
au moment du sacrifice? Est-il permis de consommer les animaux égorgés par les saints et les mausolées? Sachant que l'immolateur prononce le nom d'Allah, il dit Bismillah au nom du sacrifice. Réponse. Le cas d'une telle bête s'apparente à ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Sa consommation est par conséquent illicite. Sa consommation est par conséquent illicite. Malgré quoi? Malgré que il a dit Bismillah sur la bête. Donc, sachant que, c'est-à-dire, ce qu'on appelle un saint, le faux saint, pas le vrai, Ba'ouliya Allah. Et donc, en principe, tu dis Bismillah, mais ce n'est pas ton but. Naam, ce n'est pas ton but. C'est sûr que toi, tu veux immoler, naam, pour ça, ou alors pour un mausolée. C'est pour cela que yani, la bête que tu égorges devient illicite. Car pour qu'elle soit licite, il faut égorger pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tayyib, une autre question. Pourquoi est-il interdit de consulter les devins, lesquels utilisent certains moyens pour connaître l'invisible, à l'instar des astronomes et autres? Non. Réponse. Les devins communiquent avec les djinns. Or, les hadiths authentiques affirment que ces derniers écoutent aux portes du ciel. Puis l'un d'eux descend vers son compagnon humain afin de lui mettre dans l'oreille ce qu'il a entendu au ciel, de l'échange qui a eu lieu entre les anges. Mais il y ajoute une très grande quantité de mensonges. Dès lors, la vérité que le djinn a entendue de l'entretien des anges se mélange aux mensonges ajoutés par les djinns. Par conséquent, les devins en profitent pour faire croire aux gens qu'ils connaissent l'invisible. Étant donné qu'ils se sont égarés et qu'ils égarent autrui, le messager d'Allah islam a interdit de les consulter. Quant aux astronomes et aux médecins, ils ne prétendent pas l'invisible. Bien au contraire, ils affirment de manière explicite que plus leur savoir s'accroît, plus ils prennent conscience de leur ignorance. Non. Donc, on en a lu trois. On va ajouter d'autres. Certains, quatrième question. Certains soutiennent qu'il est permis de requérir l'aide des prophètes et des saints sur base du long hadith sur le voyage nocturne. En particulier, le récit de la conversation qui a eu lieu entre le messager alayhi salam et son seigneur d'une part, et d'autre part entre lui et le prophète Moussa, alayhi salam, en vue de ramener les 50 prières à 5. Quelle est votre réplique à cette inférence? Réponse. Ces gens font partie de ceux qui tentent, à travers d'aussi piètres déductions, de prouver le bien fondé de ce qui est en contradiction flagrante avec les textes explicites du Coran, à savoir l'interdiction de solliciter l'assistance ou l'aide des morts. La conversation, ou plutôt la question de la conversation qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi wa sallam, relève du domaine de l'invisible. Or, nous n'avons pas la possibilité de le connaître, à moins que notre prophète alayhi wa sallam nous en informe. Dans ce cas, quel est le rapport entre ce récit et la pratique actuelle des musulmans s'ils veulent, par exemple, solliciter l'assistance de Moussa, alayhi sallam, comme le messager, alayhi sallam, a pu en tirer avantage? La différence entre les deux situations est grande. Celui qui désire interpeller Moussa, alayhi sallam, ou un autre prophète, est tenu de prouver qu'ils entendent l'appel. Or, il est plus aisé de dépouiller à la main l'astragale de ses épines, car les morts n'entendent pas. Il ne fait aucun doute que ce genre de déduction fait partie d'un ensemble de déviations ouvertes
dans le domaine de l'unicité. Il ne convient pas aux musulmans d'accorder une quelconque considération à d'aussi piètres arguments. Le plus étonnant est que ces gens non seulement insistent pour autoriser ce que Allah a interdit, mais en plus commettent le polythéisme manifeste, qui est contraire au livre d'Allah le Très-Haut. Ils prétendent être des imitateurs interdisant l'effort d'interprétation. Cependant, on constate qu'ils s'adonnent à toutes sortes d'interprétations et font appel à des preuves qu'aucun mujtahid ni imitateur n'a invoquées avant eux. Taïb. Autre question, inshallah ta'ala. La cinquième. Cette formule prononcée par celui qui visite le cimetière. C'est-à-dire, il dit « Que le salut soit sur vous, ô habitants croyants de cette demeure » est-elle en contradiction avec le fait que les morts n'entendent pas ? Là, quand quelqu'un va au cimetière, il dit entre autres « Que le salamu alaykum » al-diyar min al-mu'minin wa muslimin. Salamu alaykum, donc, il dit salamu alaykum. Est-ce que c'est en contradictoire avec le fait que les morts n'entendent pas? Sinon, comment se fait-il qu'on leur adresse le salut, on leur dit salamu alaykum? La réponse. Ce salut n'implique pas que les morts entendent. Parce que c'est un style de discours connu dans la langue arabe. Dans ce même registre, on relève la parole à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam relative au teshuhud. Qu'est-ce qu'on dit dans le teshuhud? Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela ne signifie pas que celui-ci entend leur salutation faite dans la prière, alors qu'ils prient dans différents endroits. Naam, dans la salat, quand tu dis salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillah salihin, tu as fait le salam sur le prophète sallam, ensuite sur nous et sur les gens pieux, ibadillah salihin. Est-ce que ça veut dire que les gens nous ont entendu le salam? Est-ce que ça veut dire que le prophète sallam a entendu le salam? Pas entendu, c'est sûr. La preuve, il dit que Allah Ta'ala lui fait transmettre le message par des anges, par l'intermédiaire des anges. S'il entendait, il n'aurait pas besoin d'intermédiaire d'anges. Sixième question qui a rapport aussi avec cela. Quelle est la différence entre la salutation faite sur le prophète alayhi sallam dans un territoire autre que Médine et celle d'une personne se tenant devant sa tombe? Réponse. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il n'y a aucune différence entre les deux. On relate qu'un membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme assis près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'interrogea sur la raison de sa présence en ce lieu. Et l'homme répondit qu'il priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui répondit qu'il n'y avait aucune différence entre celui qui prie sur lui ici et celui qui le fait en Andalousie. En Andalousie. Naam. Un trait caractéristique du messager d'Allah islam, comme il l'a affirmé, qu'est-ce qu'il a dit? Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuni min ummati salam. Allah a des anges itinérants sur terre qui me transmettent la salutation que m'adresse ma communauté. Rapporté par Nasa'i numéro 1282, authentifié par Cheikh Al-Albani. Quant au hadith, celui qui prie sur moi en un lieu éloigné, on me transmet sa prière, et celui qui prie sur moi à proximité, je l'entends, et n'a aucun fondement. Taïb. Je crois, inchallah ta'ala, qu'on va s'arrêter ici. Donc, on a vu combien de questions? On a vu 7 questions. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt 6. Attendez une seconde.
Bon, on va passer, inchallah, maintenant à vos questions personnelles, bi-iznillahi ta'ala. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Est-ce que vous avez du son? Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. On passe à la première question, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, Cheikh, et vous accorde le plus haut degré du Jannah, ainsi qu'aux admins. Amin. Ma question étant francophone, est-il préférable d'apprendre la Aqida, comme le livre Usul Thalatha, directement en arabe ou d'abord en français, puis en arabe, sachant qu'en parallèle, j'apprends la langue arabe. Barakallahu fikum, Cheikh. Une seconde, je m'absente une seconde et je réponds. J'en profite que Cheikh s'est absenté pour expliquer vite fait le mode de fonctionnement pour poser des questions. Une fois rentré dans le salon de Cheikh, en bas à droite, vous voyez le signe de la main, il y a écrit « Raise Hand ». Vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez à côté de votre pseudo une main levée. Et ensuite, Inch'Allah, vous patientez qu'un admin récupère les questions. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullah. Si c'est possible, barakallahu fik, de répéter la première question, tafadhal. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam, Cheikh. Ma question est, étant francophone, est-il préférable d'apprendre la Aqida, comme le livre Usul Thalatha, directement en arabe ou d'abord en français, puis en arabe, sachant qu'à parallèle, j'apprends la langue arabe. Barakallahu fikum, Cheikh. Tafadhal ya Cheikh. Elle a dit, étant francophone, est-il préférable d'apprendre la Aqida comme Usul Thalatha d'abord en arabe, ensuite en français, ou alors, c'est quoi la troisième alternative? C'est mieux. Étant francophone, est-il préférable d'apprendre la Aqida comme le livre Usul Thalatha directement ou d'abord en français, puis en arabe? Sachant qu'en parallèle, j'apprends la langue arabe. Étant francophone, est-il préférable d'apprendre la Aqida comme le livre Usul Thalatha directement en arabe ou d'abord en français puis en arabe? Sachant qu'en parallèle. Tayeb, qu'est-ce qu'elle veut dire par Usul Thalatha ici? Elle parle du matn ou bien elle parle du sharh? Tfadl. Allahu a'lam, Cheikh. Donc j'attends un peu plus de précision, Inch'Allah. Et Inch'Allah, pour ne pas vous faire perdre du temps, on va passer à la deuxième question. Et je vais laisser le relais, Inch'Allah, au frère Smaïd. Barakallahu fikoum, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Première question. Alors, question d'une sœur. Une sœur que je connais personnellement a fait son entrée en islam par la grâce d'Allah il y a maintenant quelques mois. Son frère s'est également converti, walillah alhamdu wal minna, et l'a annoncé à sa famille. Depuis cette annonce, ses parents lui font des remarques à son frère et ont des comportements désagréables à son égard. À cause du comportement de ses parents à l'égard de son frère, la sœur craint d'annoncer à ses parents sa reconversion. Le problème est que depuis un moment, la sœur a beaucoup de mal à effectuer ses prières quotidiennes, car elle est sans cesse épiée par ses parents qui craignent qu'elle se reconvertisse à cause de l'influence de son frère. Ma question est la suivante. Est-il possible pour la sœur d'effectuer ses prières dans la salle de bain? Et est-il possible qu'elle regroupe certaines prières? Je précise que sa salle de bain est séparée des toilettes et que c'est la seule pièce de sa maison qui se ferme à clé, donc elle ne pourra pas se faire surprendre par ses parents. Ta faute dans le cher. Wa alaykoum atoullah. Quelqu'un qui est persécuté comme cela, hein, essaie de craindre Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il puisse. Ensuite, quand il y a des choses qui le dépassent,
qui le dépassent, qu'il essaye de les faire, yani, de, dans, disons, la position qui lui convient, qui lui convient. Car Allah Ta'ala ne demande pas, ou la, n'enjoint pas une âme, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est impossible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, et dans la qaïda, la taklifa illa bi maqdour. La taklif illa bi maqdour. Donc elle, si elle a peur de la, d'être persécutée ou d'être expulsée de la maison ou d'être, qu'elle fasse cela en cachette, et reste pour regrouper les salates, elle essaye, si elle peut, de prier à l'heure, même si c'est en étant assis, par exemple. Même si c'est, par exemple, seulement avec un hochement de la tête. Même si c'est seulement avec les yeux. Non. Quand je monte mes yeux, je suis debout. Quand je descends un peu, j'ai fait le rukou. Quand je descends en bas, j'ai fait le sujoud. Non, je suis en face de la télé et il croit que je suis en train de voir la télé alors que je suis en train de faire ma prière. C'est un exemple. Un muhim. On a cité la fois passée le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parlait de quelqu'un de la famille de Pharaon qui cachait quoi? Qui cachait sa foi de Pharaon et de la clique. Donc, même devant Pharaon, on peut cacher sa foi. Subhanallah l'adhim. Et nos parents, quand ils sont mécréants, ils ont beau être mécréants, ils n'atteindront jamais le degré de mécréance de perversité, de tyrannie du pharaon. Maintenant, dans la salle de bain, puisqu'elle est séparée, il n'y a pas les toilettes dans la salle de bain, c'est aussi quoi? C'est aussi, il y a une solution. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, on ne prie pas dans le cimetière, ni dans le bain mort. Et la salle de bain, ça a un petit rapport avec le bain. Pourquoi? Parce que il y a la chaleur de l'eau, etc. Que les djinns aiment bien. Le prophète, alayhi salam, qui a dit comme ça? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, et si maintenant une personne, par exemple, se trouve dans le bain mort, et que c'est le moment de la salate, donc c'est interdit de prier dans le bain mort. Le hadith est clair. Naam. Que ju'ilat lil ardu masjidan wa tahurun illa al maqbara wal hammam. Sauf le cimetière et le bain mort. Il a dit maintenant, s'il ne reste que quelques minutes, par exemple, une personne est dans le bain mort en train de se laver, ensuite, elle se rappelle que c'est bientôt la fin, par exemple, de salat al-asr. Par exemple. Et maintenant, elle a le choix entre deux choses. Ou bien sortir du bain mort et aller dans sa maison, je ne sais où, pour prier. Et ce ne sera, la prière de l'Asr ne sera pas en son temps. C'est-à-dire, khlas, c'est le Maghrib, salat al-Maghrib. Ou bien, il prie dans le bain mort et il est excusé. Il a dit, rahimahullah, il prie dans le bain mort et il est excusé. Pourtant, le hadith a dit, pas de salat dans le bain mort, ni dans le cimetière. Il a dit, prie dans le bain mort. Vous trouvez ça dans Fatawa, le majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Taymiyyah, tome 1 ou 2. Si vous voulez, dans le prochain cours, j'ai le tome et le numéro de la page pour celui qui le veut. Naam. El-Mohim, pourquoi il a dit, alors que le hadith a dit, parce que c'est le moindre mal. Et la qaïda c'est quoi? La qaïda c'est quoi? Hurmatul waqt muqaddamatun ala hurmatil makan. Allahu Akbar. Pour les savants qui connaissent bien la sharia, qui la connaissent par cœur, qui déduisent comme ça des règles. Ils ont dit, maintenant il y a deux choses qui se contredisent. Ou bien, je ne prie pas à l'heure, c'est un grand péché. Ou bien je prie là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas prier, c'est aussi un péché. Lequel des deux c'est le moindre? Le moindre, c'est que tu...
même si c'est dans un endroit où il ne faut pas prier. Car à la rigueur, au moins tu as prié. Tandis que si tu ne pries pas, tu dis je vais prier à la maison, tu as prié quand? Tu n'as pas prié dans le moment, à quoi ça sert? Donc il a dit, le moment a préséance. Là, l'heure et le moment, le temps, disons le temps, a primordialité. Là, le temps prime sur l'endroit. Maintenant, je choisis entre l'endroit, l'âme, ou bien le temps. Il a dit, le temps prime sur l'endroit. Donc, pour que je ne perde pas ma salat, je prie dans le bain mort. Donc, Hada, alors qu'il aurait pu prier, aller à la maison, cette sœur, si elle n'a que cette alternative, alors, elle fait ça en faisant le moindre mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, wa mittaqillah et ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala alam. Une question d'une sœur. Je suis à ma dernière année de licence et il me reste une session, Inch'Allah, de 4 mois environ, plus le stage et autre chose que je dois faire pour terminer, Inch'Allah. Je mets le niqab depuis quelques mois, je suis obligé de l'enlever. L'université est mixte, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. J'aimerais changer de formation, je pourrais garder mon niqab. En attendant de me marier, je ne veux pas J'aimerais changer de formation, je pourrais garder mon niqab. En attendant de me marier, je ne veux pas travailler, mais sous la tutelle de mon père, j'ai peur qu'il ne veuille me laisser rester à la maison, surtout que je ne suis pas dans mon pays d'origine. Avec cette formation, je pourrais travailler à domicile. Le problème est que c'est mixte, cela dure 2 ans. Jazakallahu khair. Pour moi, j'ai bien entendu ce qu'il a dit, il n'y avait pas de question. Pour moi, je n'ai aucune question dans ce qu'elle a raconté ici, le problème qu'elle avait avec les parents, etc. Donc le temps que vous me disiez c'est quoi la question, je reviens à la personne qui a dit, par rapport à l'aqida, au sol salat, etc., ce qu'elle apprend en arabe ou en français, l'âme jeudi, si elle peut apprendre directement en arabe, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Mais a-t-elle des moyens ou pas? Tout à l'heure, elle disait qu'elle apprenait parallèlement l'arabe. L'arabe, pour l'apprendre, ce n'est pas facile. Il faut des années. Des années pour l'apprendre. Maintenant, je ne vais pas rester des années croiser les bras jusqu'à ce que j'apprenne l'arabe. Tout ce que je peux apprendre en français, le temps que j'apprenne l'arabe, je le fais. Car l'essentiel, ce n'est pas seulement apprendre. J'apprends un mètre comme ça, par cœur, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'essentiel, c'est de comprendre, beaucoup plus qu'apprendre. Apprendre, c'est juste un moyen pour mémoriser et ne pas oublier. Pourquoi on apprend? On apprend pour ne pas oublier, c'est tout. Mais, si j'ai compris, ça me suffit pour... ce n'est pas obligé pour moi d'apprendre. Même si j'ai compris, j'ai bien compris la chose. Alhamdoulilah. Mais pourquoi le mettre, on fait le mettre? On fait le mettre comme ça, si tu oublies, tu as le mettre devant toi, tu le récites, tu te rappelles. Voilà, donc je dis à la sœur, dans tout cela, l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir compris. Car maintenant, même si tu vas apprendre le mettre de l'Osul Salata, tu vas l'apprendre en arabe, par cœur. Par cœur. Et Allah rahimakallah, par cœur. Mais, tu n'as pas compris le sens, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu répètes, c'est tout. À quoi ça sert? Ce n'est pas un Coran. Si au moins c'était le Coran, quand tu le mémorises, même si tu n'as pas compris ce qu'il y a dedans, tu as des hasanettes. Donc l'essentiel, c'est que je comprenne c'est quoi ce maître et que veut dire ce maître. Si je n'ai pas l'arabe, mais allez, je comprends en français. Ou je l'apprends en français. Mais allez, jusqu'à ce que j'ai l'arabe. Wallahu ta'ala alam, tfadl. En fait, si vous voulez, cher, dans la question de la sœur, elle l'a posée, mais de manière implicite. En fait, elle voudrait abandonner l'université, en fait, pour pouvoir suivre la nouvelle formation et garder son niqab. Donc, c'est surtout ça, en fait. C'est le souhait de garder son niqab. Et donc, le problème dans cette formation, c'est que c'est mixte. Donc, et ça dure 2 ans. Donc, elle vous demande, je pense que c'est ça, si elle peut suivre cette formation malgré la mixité, voilà.
je pense. Wallahu a'lam. Tafaddal. Si elle n'était pas dit, maintenant, à la fac où elle est, en troisième année, ou je ne sais pas ce qu'elle a dit, elle n'a pas dit si c'est pas mixte. Elle n'a pas dit. Maintenant, si c'est pas mixte, là où elle est, et elle va changer pour aller là où il y a mixte, c'est grave. Parce que normalement, on doit faire des efforts pour minimiser les choses et pas pour aggraver. Donc, elle dit que c'est mixte. Donc, je vois pas dans ce cas pourquoi elle a posé le problème, puisqu'elle passe de mixte à mixte. Donc, où est le problème? Problème, si elle pouvait arrêter du tout, ce serait la meilleure des choses. Mais si maintenant elle est forcée par ses parents ou je ne sais quoi, et qu'elle n'a pas d'autre solution, et que ici ou là-bas c'est mixte, tant aller là où elle peut garder le niqab. Autant aller là où elle peut garder le niqab. Au moins elle gagne cette chose, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadlak. Question suivante. Question d'une sœur. وفقكم الله شيخنا, je voulais savoir, que doit faire un musulman qui a commis des injustices à des koufars pendant un certain temps pour expier ses péchés fit dunya, car cette personne est en plein repentir et elle veut savoir ce qu'elle doit faire en plus de faire la taouba. Cette même personne à l'époque où elle écoutait toutes les insinuations de shaitan a déjà mangé des jours de pendant le ramadan. Que doit-elle faire pour attraper en plus de la taouba? Je précise que cette personne était croyante en Allah à l'époque, mais vivait dans la désobéissance. Donc il y a deux questions en une. Tafaddal cheikh. Quand quelqu'un la taouba, et Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et raffermit son cœur, et il commence à appliquer, ou bien il rentre carrément en islam s'il était calme. Qu'est-ce qu'il doit faire? À part qu'il demande à Allah ta'ala pardon pour ses péchés antérieurs, il doit quoi? Il doit rendre ce qu'on appelle mavalim. Naam. Si par exemple, avant de faire la tawba ou avant de devenir musulman, par exemple, j'ai volé une montre à quelqu'un. Et la montre, je l'ai toujours. Je dois la lui rendre. Je dois rendre la montre volée à la personne. Si je la connais bien, connais pas, je la donne. Ou bien je la vends, et avec cet argent je le donne, en mettant dans l'intention que c'est pour la personne, pas pour moi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si on tire et que j'ai fait du mal à quelqu'un, que je connais sur quelqu'un et je peux le rencontrer, je lui demande pardon. Je vais chez lui et je lui dis voilà, je suis venu demander pardon. Autrefois, quand je t'ai insulté, j'ai fait ceci, cela. J'étais djahel, voilà, je te demande pardon. Les mazalim, en général, on doit les rendre, si on peut. Si on peut, bidnillahi ta'ala. Naam. Quand maintenant quelqu'un ne se rappelle pas ce qu'il a fait, ou bien c'est trop compliqué, trop complexe, il a fait beaucoup de choses, yani, il fasse une tawba générale, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et ce qu'il peut réparer avec les gens, il répare. Ce qu'il peut pas, où les gens sont morts, ou bien ils ne savent pas où ils habitent, qaddar Allah, machin, c'est trop tard pour lui. El Mohim, reste pour les jours de Sayyam. Les jours de Sayyam, naam, si la personne maintenant a fait un repentir sincère, naam, ou bien elle est rentrée en islam, bien sûr, si elle est rentrée en islam, elle n'a pas à rattraper les jours passés. Elle n'a pas à rattraper les jours passés. Mais si la personne, yani, il savait que c'était le ramadan et qu'il fallait jeûner, etc. Il n'a pas jeûné. Et ce sont des nombres, des jours qui se comptent. Pas beaucoup. Non, quelques jours comme ça. C'est mieux de rattraper ces jours. Mais si c'est des années, par exemple 15, 20 ans, 10 ans, la personne n'a pas jeûné, dans ce cas, les savants disent, yani, elle fait le repentir sincère et elle commence une nouvelle page. Et elle commence à jeûner à partir de l'année où elle a commencé à appliquer bi'idhna ta'ala. Car c'est impossible d'aller rattraper 30 ou 20 ans de siyam. Imaginez combien ça donne. Non. Mais si c'est seulement quelques jours comme ça, et que la personne peut les rattraper, c'est mieux pour elle bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Ça a rapport avec la question présente aussi, c'est le même sujet.
Alors, qu'Allah vous récompense pour le travail que vous effectuez, afouan pour la longueur de la question. Alors, un frère veut faire tawba, inshallah. Il se demande s'il doit rendre l'argent qu'il a détourné et volé pendant sa période d'égarement. Et s'il a des dettes liées au trafic de drogue, qu'Allah nous en préserve, doit-il les payer sachant que l'argent serait destiné à des trafiquants, même si la personne à qui il doit de l'argent lui a dit qu'elle n'en voulait plus, car elle en avait marre d'attendre, donc par énervement. Barakallahu fikum, ya shir, qu'Allah vous récompense et vous accorde le firdaus à vous ainsi qu'aux admins. Je crois que j'ai répondu par rapport à la première question. C'est-à-dire une personne qui a détourné de l'argent, etc. L'âme doit rendre cet argent. Doit rendre cette détournée, surtout si elle l'a encore, si elle l'a toujours. L'âme. Donc, argent détourné, escroqué, volé, tout cela, la personne doit le rendre, surtout, si elle l'a toujours avec elle. Et dans Sahih al-Bukhari que Mouba, radiyallahu ta'ala anhu, quand il est allé au prophète, il lui a dit, voilà, il est venu avec un sac. Je ne sais pas si ça s'appelle un sac, un grand sachet comme ça, là, plein de trucs de d'or et de genre de coffre. Il lui a dit, voilà, je suis venu, yani, pour annoncer mon islam, faire ma reconversion, et en même temps, yani, cet argent, je le donne yani, pour les musulmans. Il lui a dit, quant à l'islam, on l'accepte. Quant à cet or et ses biens, non. Non, comme ça. Ça veut dire qu'il faut le rendre aux gens. Si quelqu'un n'est pas encore yani, reconverti, ensuite il se reconvertit en islam, tout ce qu'il a pris comme argent volé ou escroqué, il doit le rendre aux autres, même si ce sont des mécréants. Il doit aller chez eux et leur rendre ce qu'il leur a volé. L'islam n'accepte pas cela, n'aime pas cela. Par contre, on accepte de lui, quoi? Le fait qu'il rentre en islam. Mais on n'accepte pas de lui les choses volées. Les choses volées, escroquées et détournées. Il y avait aussi une autre question dans cette question, je ne me rappelle pas c'est quoi. Tfadlal. Alors en fait, la deuxième partie, c'est... Doit-elle rendre l'argent, même si c'est des trafiquants? Même si l'argent est destiné à des trafiquants. Voilà, je pense que c'est ça. Tfadlal. Doit-il les payer, sachant que l'argent serait destiné à des trafiquants, même si la personne à qui il doit de l'argent lui a dit qu'elle n'en voulait plus, car elle en avait marre d'attendre par énervement. Il manque quelque chose au début de cette question. Il y avait quelque chose. Doit-il les payer? Qui les? L-E-S. C'est qui sont ceux-là? Les créanciers ou c'est qui? Ah voilà, s'il a des dettes liées au trafic de drogue. Là. Il y a une fatwa qui s'appelle Lejnat Daima d'Arabie Saoudite, qui dit que si quelqu'un yani, a de quelque chose de haram, il a dit, il fait son possible pour ne pas les payer. Il fait son possible pour ne pas les payer. Pourquoi? Parce que c'est haram. Parce que c'est haram. Il a dit, c'est comme si quelqu'un, après avoir fait tawba, il rencontre un propriétaire d'un bar. Il lui a dit, toi autrefois, tu as bu chez moi, par exemple, 10 bières. Tu m'as pas payé. Il a dit, il ne le paye pas. Comme ça, il a dit. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas quelque chose de halal. Normalement, moi, quand je suis venu boire, c'était interdit que tu me donnes toi. Toi, le premier, tu as fait la faute. Ça, oulalala. Toi, c'est interdit pour toi de vendre l'alcool. Et c'est interdit que tu me serves. Il fallait me sortir du bar. Donc, moi, je paye pas. Je dis, il y a une autre fatwa que j'avais lue. Ils ont dit, même si, sauf si c'est maintenant, ça devient plus grave. Par exemple, c'est la prison, c'est ceci, c'est cela. Dans ce cas, si je donne, c'est à contre-cœur, juste pour éviter les grands problèmes. Sinon, dissuader la personne.
prennent pas de l'argent. Voilà, par exemple, menace de mort, comme ça, naam. Pas de solution. Naam, tfadal. Prochaine question. Question d'une sœur. Une sœur devrait accoucher cette semaine. Elle est séparée de son mari et devrait divorcer prochainement. Ma question concerne la aqiqa. Est-ce que c'est au père de l'enfant de faire le sacrifice? Si ce dernier refuse, cette sœur est-elle dans l'obligation de le faire, en sachant que la sœur ne travaille pas? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve et vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Ce n'est pas obligé pour elle. C'est obligé pour lui, pour ceux qui disent que la aqiqa est obligée. Non. C'est pour yani celui qui dépense pour son enfant. Et même divorcé, vous savez que c'est le père qui dépense sur l'enfant, puisqu'il devient majeur. Non. Ou alors qu'il commence à travailler. Donc la aqiqa, yani, alhamdoulilah, c'est pas son problème, bi'idhnillahi ta'ala, sauf si elle veut le faire bénévolement. Fadwal. Prochaine question, question d'un frère. Ahsallahu ilaykum, shir. J'ai entendu de nos grands savants, Shir al-Uthaymin et Shir al-Albani, rahmatullah alayhim, qu'ils ont interdit le prêt bancaire, soi-disant islamique, car c'est un prêt qui cache du riba. Et c'est encore pire car c'est un talbis envers Allah. Ma question est de savoir s'il existe, de par votre expérience, un prêt bancaire qui répond réellement aux conditions de la sharia. Wa hayakum Allah. Tafadal Sheikh. Jusqu'à présent, je n'en ai aucun. Je n'en connais aucun, ni où j'ai été comme le Koweït, ni ici en Algérie. Et je pense que partout, c'est la même chose. Et si quelqu'un, yani logiquement, il peut trouver que c'est même impossible d'exister, sauf dans un état peut-être islamique. Et encore, je ne sais pas. Pourquoi? Regarde, la banque, l'âme, toi, d'après toi, banque, elle t'appelle et elle t'invite, elle fait même la publicité, venez, je vous passe, yani je vous prête de l'argent. Et sans aucun intérêt. Donc, la question qui se pose, quel est l'intérêt de la banque? À quoi ça sert de construire une banque, d'avoir des travailleurs à l'intérieur, donc on appelle ça, ensuite des micros, des ceci, des tables, des bureaux, des. Tout cela pour appeler X et Y et lui donner comme ça un prix, sans rien faire rentrer contrepartie. Des employés, voilà. Il paye même peut-être les impôts, je ne sais quoi, la location de l'immeuble de deux. Et tout cela, sans rien gagner. Même donc, logiquement, ça rentre pas dans la tête. Donc, même s'ils te disent il n'y a rien, il y a toujours quelque chose qu'ils vont appeler comme quoi c'est des frais pour ceci, pour cela, c'est des timbres, c'est ceci, c'est cela. Et ils te prennent de l'argent. Naam. Tfadl. Prochaine question, question d'un frère. Qu'Allah vous préserve, cher. Pouvez-vous nous adresser un conseil pour celui dont la femme a une baisse de foi et qui a donc un manquement dans son comportement et sa religion? Barakallahu fikum. Tafadal, cher. Donc ici, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui demande comme une naseha ou là je ne sais quoi, un conseil pour sa femme. Reprenez-moi si je me trompe, qui a régressé un peu dans la foi, n'est-ce pas? Si c'est comme ça, voilà, si c'est comme ça. Donc, est-ce que sa femme nous entend? Car l'intéressant ici, c'est que ce soit elle qui entende. Maintenant, si c'est lui qui entend, à quoi ça sert? Donc, répondez-moi, Inch'Allah Ta'ala. Fawzi, tu peux avoir une réponse de la sœur par rapport à ça. En attendant, je passe à la prochaine question. Question d'un frère. Question du frère, excuse-moi. Question d'un frère. Les frères salafis de la ville de Noisiel, donc s'il y a des parisiens qui me corrigent, de Noisiel dans le 77, voudraient un éclaircissement pour les musulmans de la masse sur l'association de Khawarij Takfiri qui se nomme Sanabil.
qui aident des prisonniers accusés de terroristes et même parfois impliqués dans des préparations d'attentats, car ils ramassent de l'argent pour aider ces prisonniers. Barakallahu fikoum de nous exposer le danger de cette association qui fait sa da'wah dans notre région et qu'Allah vous en récompense. J'avais dit, et je dis, et je l'ai dit hier. Je l'ai dit plusieurs fois, et je l'ai dit hier dans une assise, comme ça avec des frères. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit, dame, je ne conseille à personne de faire une association. Sauf si c'est une association comme celle des mosquées, qui est obligatoire, sinon il n'y a pas de mosquée. Ou alors une association, par exemple, pour apprendre aux gens, par exemple, l'islam, ou bien l'arabe, ou bien. En mohim, je ne conseille à personne de faire une association qui a un rapport avec des rentrées d'argent. C'est-à-dire demander des dons, comme Baraka City et la clique, qui demandent déjà de l'argent pour les gens. Non. Car, celui ou ceux qui gèrent l'association ne sont pas Omar ibn Abdelaziz, radiallahu ta'ala anhumma, ni Abu Bakr Siddiq, ni Uthman, ni. Pour être pieux au point de voir comme ça des millions devant eux, sans être tentés par le shaitan dans eux. C'est pour cela que j'avais dit à Baraka, si vous vous rappelez, j'avais dit, si vous êtes véritable, un site, ça, écrivez seulement une phrase dans le site que nous sommes des salafis sur la minhaj Allah et nous nous désavouons de tous les takfiris, etc. Ils n'ont pas pu. Est-ce qu'ils ont pu écrire cette phrase? Malgré que j'avais dit quoi? J'avais dit, et alors, si vous le faites, même, je ferai une cassette dans laquelle j'exhorterai, yani, pas les Français, tout le monde, de donner de l'argent à Baraka City. Pour prouver quoi? Pour prouver que, quand j'ai parlé de Baraka City, c'est pas Baraka City elle-même. Moi, d'où je connais Baraka City? Mais, des gens, du minhaj. Or, je les ai défiés, ils n'ont pas pu écrire, aller sur le site et dire non, c'est pas vrai. Yani, on dément, nous sommes des salafis bi'idhnillah, et comme ça. Comme dit Cheikh Rabia. Il n'y a pas une association, même s'ils disent nous sommes des musulmans, nous sommes ceci, cela, qui, yani, pour ne pas détourner l'argent, voudrait que ils soient yani, des pieux, des safis, des talibouines, des. Je vous ai raconté une fois, qu'une personne, subhanallah, même cette chose, on me l'a raconté hier, une chose similaire, quelqu'un m'a raconté hier quand je parlais de l'association, il m'a dit, il y a quelqu'un d'association, il m'a cité son nom, j'ai oublié hier, il a dit, il a fait Tauba, il faisait partie d'une grande association, ceux qui envoient Zama l'argent en Syrie ou je ne sais où, ou la Gaza, il a dit, il a fait Tauba, il a dit, on l'a ramené à la télé. Et cette personne l'a entendu de ses propres oreilles. Il a dit, on l'a ramené à la télé. Il a dit, je viens faire Tauba comme ça devant tout le monde à la télé et pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne. Il y a ni combien d'argent, combien de millions là, j'ai détourné quand j'étais dans telle association. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Et une personne m'a raconté à moi, c'est-à-dire d'elle à moi. Cette personne m'a raconté qu'elle a fait la connaissance d'une personne qui était dans une grande association aussi. Et cette personne a connu maintenant le minhaj salafi et a raconté à cette personne qui m'a raconté, elle lui a dit qu'Allah Ta'ala me pardonne combien j'ai détourné d'argent quand j'étais dans l'association. Allahu Akbar. Naam. Tayyib. Donc, on disait quoi? C'était quoi le fil de... Je vous donne le micro pour me rappeler de quoi on parlait. J'ai même oublié. Donc, en parlant de cela, je profite aussi pour dire une chose importante. Donc,
Alors maintenant, si on va, on va demander des dons pour faire sortir des criminels, etc., de la prison, là encore, c'est plus grave. Non. Si on va faire des dons pour faire sortir des criminels de prison et des gangsters et des je ne sais qui, ça devient encore plus grave. C'est pour cela que je ne donne mon argent qu'aux gens fiables que je connais. Si je ne connais pas les gens personnellement, là, je ne le connais pas, ce n'est pas mon voisin pour que je le connaisse, ni quelqu'un de ma famille, à la rigueur, je connais son minhaj. Voilà. Maintenant, quand je sais qu'il est salafi, masha'Allah, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour apprendre la science, etc., j'ai confiance en lui. Même si je ne le connais pas personnellement, c'est qui son nom ou son prénom. Ni le prénom de son père, ni de sa mère. Mais au moins, je connais son minhaj. Alhamdoulilah. Et moi, là, je profite pour dire une chose importante. Quand j'ai parlé la fois passée de Gaza, là, et que j'ai dit que yani, le moindre mal, c'était d'être du côté des musulmans et non pas du côté des sionistes, qui sont en train de faire yani, des massacres que Allah subhanahu wa ta'ala les punisse de la meilleure façon. Alhamdoulilah. Certains ont une question parce qu'ils ont eu une petite chouba. Certains ont une question, ils ont une petite chouba. Est-ce que le fait d'être du côté des Palestiniens, en sachant que les Palestiniens, ceux qui dirigent, c'est Hamas. Et puisque Hamas, ce sont les frères musulmans, donc du côté de Palestine, ne sommes-nous pas, yani, en train d'encourager les frères musulmans? Je dis, question très pertinente et qui mérite, bi'idhnillahi ta'ala, d'être éclaircie, pour que ça soit clair, bi'idhnillahi ta'ala. En fait, la réponse serait de dire, il faut faire la différence par rapport à Palestine entre le peuple et les dirigeants. Nous sommes avec le peuple palestinien, avec les vieux, les vieilles, les enfants, les bébés. Yani massacrés, déchiquetés, Mais ça n'empêche pas que, en même temps, on est contre les dirigeants, contre les gens de Hamas, contre les frères musulmans, contre les khawarij des frères musulmans, contre les malfaiteurs que sont les frères musulmans, contre les voyous que sont les frères musulmans. C'est à cause d'eux tout ce qui se passe en Palestine. Et le comble, c'est que eux, les grands et les dirigeants, jamais il ne leur arrive une chose. Ces temps-ci, quand les sionistes sont en train de frapper les Palestiniens, Khaled Mishaal, l'un des grands chefs palestiniens, qui vit au Liban ou bien en Syrie, il est dans un palais avec, je ne sais pas s'il y a la piscine ou il n'y a pas, le Mouhim, ces temps-ci, pendant que les sionistes bombardent les Palestiniens, on l'a montré en photo où? Il était à Qatar, en train de jouer table de tennis, ou bien tennis de table, ping-pong. Tac, 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 tac. Et les autres, ils envoient des bombes. Boum, 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 boum. Voilà, celui-là, l'un des grands chefs. Non, ça me rappelle un peu. Ça s'appelle, Il y a le malfaiteur aussi, comment il s'appelle le deuxième, attendez, l'Arifi, Mohamed l'Arifi. Quand il parlait, il faisait des khutbas, qu'il fallait faire le djihad en Syrie, il fallait tuer Bachar al-Assad, c'est un kafir, et ceci, cela. Alors qu'il a pris sa famille, il est parti passer des vacances en Angleterre. Et les frères et les musulmans, je ne sais qui, l'ont attrapé là-bas, ils l'ont frappé, ils l'ont agressé au point, on l'a fait entrer à l'hôpital. On l'a fait entrer à l'hôpital, yani à Londres ou là en Angleterre. Tu dis, il y a le djihad, il y a ceci, cela, et toi tu vas en Angleterre te faire le tourisme. Donc, nous les frères musulmans, ce sont des... Moi, je trouve pas quoi dire. Non, je trouve pas quoi dire. Ils sont pas sincères. S'ils étaient sincères, au moins eux, qu'ils soient au premier rang s'il y a djihad. Vous dites, c'est djihad.
pourquoi vous n'êtes pas au premier rang en train de jeter les fusées si vous en avez. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chauffent les gens, surtout les jeunes, et ils les mettent, comme on dit, dans ce qu'on appelle la gueule du loup. Hein, ils les mettent dans le du mortier, et eux, ils sont cachés derrière, dans une autre ville. Ils s'enfuient. Là, ils se passent ils passent là-bas de beaux jours. Tout dernièrement, on a posé une question à Cheikh Obeid al-Jabiri, hafidhallah ta'ala. 90% c'est lui. Sinon, c'est Cheikh Rabi, hafidhallah ta'ala. On lui a dit, c'est quoi la secte ou bien les sectes les plus dangereuses de nos jours? Par classement, les plus dangereuses. Il a cité deux. Il a dit, la première, c'est les frères musulmans. La deuxième, c'est les tablirs. Les tabliris. La première, c'est les frères musulmans. En fait, c'est vrai. Pourquoi les frères musulmans sont les plus dangereux? Pourquoi ils sont plus dangereux, par exemple, que les Rawafid, par exemple, que les Ahbash, que tout simplement parce que les frères musulmans regroupent toutes les sectes égarées. Vous avez compris? Les frères musulmans, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a les soufis, il y a les khawarij, il y a les takfiri, il y a les rawafid, il y a les qubouriyoun, il y a les ash'ira, il y a les mu'tazila. Tout ce que tu veux, il y a dans les frères musulmans. C'est pour ça que, d'ailleurs, leur minhaj, c'est quoi? Regroupe, ensuite instruit. Et le minhaj des salafis, c'est quoi? Instruit les gens, ensuite regroupe-les. Les frères musulmans, venez, on va se regrouper, s'unir, et faire, y a beaucoup de gens, même si on n'a pas la même aqida. C'est pour ça que tu trouves dans les frères musulmans, tu trouves toutes les sectes égarées du monde. C'est pour ça que ce sont les plus dangereux. Et ensuite, les frères musulmans, c'est la secte la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que elle a des takfiris, des khawarij. Les frères musulmans, vous savez qu'ils sont des takfiris. Il te dit, le gouverneur, c'est un kafir. Ce matin, j'entendais un Égyptien, aujourd'hui ce matin, sur YouTube, je voyais un Égyptien qui parlait. Il fait partie des frères musulmans, c'est sûr, avec la barbe, etc. Il disait que Sisi est un kafir. Sisi. Le gouverneur d'Égypte, il a dit, c'est un murtad, un kafir, billah ta'ala. Donc comme ça, eux, ils sont des takfiris, ils sont des khawarij. Ils essayent toujours d'enlever le gouverneur en faisant des manifestations, en brûlant, en cassant. Que Allah Ta'ala nous préserve de voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait dans le monde entier, ce qu'ils font maintenant en Palestine. C'est à cause d'eux, que des milliers maintenant sont tués. Et eux, bien sûr, ils ne sont pas tués. Ils sont au Liban, ils sont en Amérique, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Ils ne sont pas tués, ni eux, ni leurs enfants. Et les gens de Massam Serken, ils sont massacrés. Donc, pour terminer ma question, c'était quoi? Est-ce qu'on est avec les Palestiniens ou bien avec les sionistes? On est avec les Palestiniens, taqullah. Même, vous voyez, il y a celui qui veut rentrer dans le site de Cheikh Firkous, il y a une fatwa là-bas. Comme quoi, on doit être avec les Palestiniens, les aider, envoyer de l'argent, faire des doigts, envoyer des médicaments, etc. Mais je dis, on n'est pas avec les gens de Hamas. Il y a une grande différence entre les deux. Bi'idhnillah ta'ala. Tfadl. La femme du frère présente, cher, pour écouter votre conseil. Donc, je vous répète quand même la question. Pouvez-vous nous adresser un conseil pour celui dont la femme a une baisse de foi et qui a donc un manquement dans son comportement et sa religion? Barakallahu fikoum. Tfadl, cher. Par rapport à la régression dans la foi, ou bien la baisse de foi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous arrive à nous tous et toutes. Seulement, on va prendre deux genres de gens. On va prendre Ali et Omar. Comme ça, ce sera simple. On a Ali et Omar. Les deux ont maintenant une baisse de foi. Mais remarquez avec moi que Ali se surveille et fait des efforts pour contrer cette baisse. Non. Omar se laisse aller. Il dit, oh, tout le monde maintenant a baissé sa foi, je ne suis pas le seul, et c'est difficile de nos temps d'appliquer, etc. Et il commence à trouver des excuses. Vous avez vu la grande différence entre les deux? L'autre, non, se surveille, dit,
le shaitan veut m'avoir, il faut que je me redresse, il faut que je me corrige, et il commence à se corriger. Donc dire que j'ai une baisse de foi, les sahaba l'ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a répondu, ça, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Comme ça a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si vous étiez toujours, masha'Allah, avec la foi haute, les anges vous auraient yani, comment dire, tendu la main dans les rues. Mais ça, c'est pas possible. Mais le problème, la baisse de foi ne vient pas d'elle-même. C'est nous qui en sommes la cause. À chaque fois que tu vois que ta foi a baissé, essaye voir. Enferme-toi dans une chambre, Nam. Par exemple, prends un stylo, une feuille, essaye de noter. De noter ce mois-ci, par exemple, quels sont les et que je ne fais plus. Tu vas trouver, par exemple, je faisais salat doha, maintenant je fais plus salat doha. Je jeûnais lundi, jeudi, maintenant je jeûne plus. Ça fait 3 mois ou là une année que je fais. Je faisais la prière de la nuit, maintenant je n'en fais plus. J'allais au cours, je ne vais plus au cours. J'entendais des cours, je n'entends plus. J'allais à l'hôpital chez les malades, etc. Je ne vais plus maintenant là-bas. Non. Je ne voyais pas la télé, maintenant je la vois beaucoup. Je n'écoutais pas la musique, maintenant je l'écoute. Je fumais pas, je suis revenu à la cigarette maintenant. Non. Je ne voulais pas m'asseoir avec les gens qui sont pas bien, qui parlent pas de dîner, etc. Maintenant, je m'assois avec eux et ça me plaît. En train de dire n'importe quoi et de calomnier, médisance, des chansons, dire n'importe quoi. Donc, la baisse de la foi, c'est nous qui en sommes la cause. Et Allah Ta'ala nous punit. Ah bon? Vous voulez vous détourner du vrai chemin, du droit chemin. Alors, je laisse Shaitan maintenant, il va vous faire des ennuis. Il va vous faire des ennuis. Et plus toi, tu veux revenir vers le droit chemin, plus Allah subhanahu wa ta'ala tient le shaitan et ne le laisse pas te faire des problèmes et des ennuis. Il l'enchaîne. Et si tu veux le mauvais chemin, il lâche sur toi ses shayatins, comme il a dit dans le Coran. Tayyib. Donc je dis à cette sœur qui a dit j'ai une baisse de foi, qaddar Allahu ma sha fa'al, ce n'est pas trop tard. Je commence dès maintenant à me rattraper, à faire un wird de Coran que je lis par exemple chaque jour, un peu, naam, des cours que j'entends, je commence à lire des livres, je commence à être avec des sœurs, à aller à la mosquée, à aller aux assises, et comme ça, à faire yani, de jeûner de temps en temps, à faire de l'aumône fisabilah, à aller rendre malade, visiter un malade, et comme ça. Et tu vas voir si la foi ne va pas remonter bi'idlillah. Mais si tu crois que tu vas rester comme ça, tu vas dire qaddar Allahu ma sha'a fa'al, si c'est écrit que la foi va remonter, elle va remonter. Dans ce cas, elle va pas remonter. Pourquoi? Tu n'as pas fait les causes. Voilà, inshallah ta'ala, grosso modo, yani, quand quelqu'un a une baisse de foi, il faudrait qu'il se rattrape, inshallah ta'ala, et reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, il demande pardon, il va voir comment, inshallah ta'ala, Allah ta'ala va le récompenser au mieux. Tfadlal. Prochaine question d'une sœur. J'aimerais avoir un conseil de votre part sur l'apprentissage du Coran. Je voudrais savoir s'il faut maîtriser les règles de tajwid, telles que les ahkam, nun, sakina, et tanwin, an-nabr, etc. Pour pouvoir avancer dans l'apprentissage du Coran, car certaines personnes sont exigeantes quant au fait de bien maîtriser le tajwid avant d'avancer dans l'apprentissage. Que conseillez-vous à la personne qui maîtrise les makharij et sifat, mais n'a pas encore perfectionné les ahkam? Peut-elle avancer dans son apprentissage du Coran? Jazakallahu khayran. Tafadhal Cheikh. Tout d'abord, je vais dire une chose très importante. Beaucoup de gens qui ne sont pas des salafis et qui n'ont la science nécessaire, la science dans la sharia, et qui, par exemple, connaissent le Coran ou connaissent par exemple l'ahkam, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont yani, essayer de faire de sorte sur le Coran
de l'apprentissage du Coran et des ahkam et des règles de façon à faire croire aux gens que c'est plus important que n'importe quelle autre matière. Là, il va même peut-être citer le hadith. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur de vous, c'est lui qui apprend le Coran et il apprend aux autres. Et comme ça. Nous, on va dire, certes, le professeur m'a dit, le meilleur de nous, c'est lui qui apprend le Coran et le fait apprendre. Mais pas dans le sens où tu comprends toi. Toi, tu as compris, le meilleur de nous, c'est celui qui apprend le Coran, dans le sens il apprend l'ahkam, et tajwid, et idram, et iqlab, et. Et c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'a voulu dire le prophète Aslam. Il a dit apprendre le Coran de façon à ce que tu mémorises et que tu saches qu'a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala ici, pour le transmettre à autrui, pour que, yani, il puisse, yani, appliquer ce qu'il y a dans le Coran. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen et même tous les savants, donc j'ai la fatwa ici si vous voulez, je vous la donne une seconde, dit que apprendre l'ahkam et tout ça, c'est seulement facultatif, ce n'est pas obligatoire. Donc moi, je ne vais pas, yani, passer ma vie sur quelque chose de facultatif et laisser par exemple Aqida. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de sœurs par exemple. Elle te dit, j'ai l'ahkam, je vais apprendre l'ahkam. Masha'Allah, 3 fois par semaine, masha'Allah. Mais entre temps, tu apprends l'aqida. Tu dis non, comme a dit une sœur. Elle aura dit l'aqida, l'aqida c'est la Palestine. Si tu vas à Palestine ou là tu envoies de l'argent là-bas, c'est ça l'aqida, ça te suffit. Et elle basée sur le Coran, l'apprentissage des règles, comment je dis, non, run, et comme ça. Tout ça, dit, c'est ça le din. Ça c'est bien. Mais il y a primordial, il y a ce qui prime sur le fait de connaître les règles du tajwid. Il y a la aqida. Supposons que tu connaisses toutes les règles du tajwid et que tu fasses le shirk et que tu fasses des choses contradictoires, tu dises des choses contradictoires avec les noms et les attributs, etc. À quoi ça te servira yom al-qiyama de dire que je connais les règles du tajwid? Donc je dis, il faut donner à chaque chose, naam, ce qu'elle mérite comme statut. Ni on lui descend, ni on lui monte plus que la chose, yani, non a. Donc, tout cela, c'était comme muqaddima pour dire, apprendre le Coran, le tajwid, etc., c'est important, mais c'est juste facultatif. Ce n'est pas obligatoire comme apprendre l'âme et apprendre comment prier et apprendre les règles du siyam pour quelqu'un qui veut jeûner et les règles du hajj pour quelqu'un qui veut faire le hajj et les règles du mariage pour celui qui veut se marier et comme ça. Naam. Tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du sang? Alhamdulillah. Cher, si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur la question de la Palestine, car j'ai reçu un PV. Je vais vous lire la chose que j'ai reçue. Une sœur n'a pas compris quand le Cheikh a parlé du dirigeant de la Palestine qui jouait au ping-pong, car elle dit qu'il faut se taire sur les défauts du dirigeant. Là, par contre, c'est une petite ambiguïté, car le Cheikh n'a pas sorti les défauts du gouverneur ou du dirigeant. Et par conséquence, là, c'est un musulman. Donc, le shir, peut-il clarifier la chose à la sœur min fadlikum? Barakallahu fikum shir, tafadal shir. C'est quoi la question, Baddar? C'est quoi la question exactement, tafadal? En fait, shir, la personne, elle dit, pour elle, que, comme quoi, vous avez dit, des défauts sur les dirigeants musulmans. Alors que, moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, elle parle de Michal. Ah, je croyais qu'elle parlait de Sissi. Si c'est par rapport à Sissi, j'ai dit que yani, les frères musulmans le critiquaient. Ils disent de lui que c'est un kafir. C'est pas moi qui dis ça. Moi, je suis contre cela. Je suis contre ceux qui disent cela. Par contre, ce que j'ai dit de Michal, le dirigeant de Hamas, naam. Si c'est lui le dirigeant, comme on dit, si c'est lui. Premièrement, si c'est lui le dirigeant de Hamas, je redis, naam,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de parler du gouverneur, pas de celui qui dirige un parti égaré. Toute personne qui dirige un parti égaré, je parle d'elle et je mets en garde contre elle, sinon j'ai des péchés. Naam. Si tu connais que quelqu'un est dans un hizb et qu'il est égaré, qu'il invite des gens à la bid'a, comme les frères musulmans, naam, tu sais ça et tu sais que si tu dis pas ça, les gens vont se tromper, tu auras des péchés yom al-qiyama pour ne pas avoir dévoilé yani, les instigateurs de ces partis, les malfaiteurs. Donc le prophète Aslam a interdit de parler sur les gouverneurs. Naam, il n'a pas interdit de parler sur les sectes égarées. Il a dit qu'il y a, il va y avoir 73 sectes parmi les musulmans. Et les musulmans les ont cités avec les noms. Rawafid, Al-Asha'ira, ceci, cela. Et ils citent, yani, les sectes avec leurs dirigeants. Jahm ibn Safwan, Abu Hassan, bon, Abu Hassan Al-Asha'ira, alhamdoulilah, après il a fait Tawba. Ils citent tout, yani, les chefs des sectes avec leur nom, bi'idhnillahi ta'ala, pour les éviter. Naam. Tfadlal. Prochaine question, question d'une sœur. Une sœur convertie vit seule avec son fils âgé de 7 ans et voudrait lui faire enseigner la religion et elle demande si les écoles musulmanes sont fréquentables ou faut mieux éviter. Que lui conseillez-vous, noble cheikh, barakallahu fikoum? Donc je pense que la sœur habite en France. Tafadol, cheikh. Afouane, j'ai pas compris sa question. Je vous répète, cheikh. Donc c'est une sœur convertie qui vit seule avec son fils âgé de 7 ans et elle voudrait lui faire enseigner la religion. Et donc elle demande si les écoles musulmanes, donc en France j'imagine, sont fréquentables. Sont-elles fréquentables ou faut mieux éviter? Tafadol. Je ne sais pas, parce que je ne peux pas généraliser. Moi, yani, je connais des écoles en France qui ne valent rien. Non, je connais des amas par des musulmans, des amas, mais par des frères musulmans, comme j'ai dit tout à l'heure. Des frères musulmans et des égarés. Qaddarallahu ma sha fa'al. Mais je ne peux pas généraliser, peut-être que là où elle habite, peut-être qu'il y a une école ou tenue par des salafis, peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne peux pas m'aventurer pour parler dans une chose que je ne connais pas. Elle demande, inshallah ta'ala, yani, à des sœurs qui yani, ont plus de science d'elle par rapport à ces écoles, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Prochaine question, question d'une sœur. Assalamu alaikum. Pouvez-vous nous rappeler l'importance de la connaissance d'Allah et comment renforcer le lien avec Allah et se préserver des insufflations de Shaytan concernant notre foi? Barakallahu fikoum. Tayyib, une seconde, je vous montre un verset. Une seconde. Fa'alam innahu la ilaha illallah. Fa'alam. Une seconde. Il y a beaucoup de... Si je peux trouver ce verset. Alhamdulillah. Regardez ce verset. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamukum. Mohamed 19. On va voir en français. En français. Donc c'est pour répondre à la question. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyantes, les croyants et les croyantes. Tayyib. Qu'est-ce qu'on va prendre de ce verset, bi'idhnillahi ta'ala? On va prendre de ce verset que Allah ta'ala dit, sache que il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah ta'ala. Et il n'a pas dit en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'a pas dit la ilaha illallah. Il a dit sache que c'est la ilaha illallah. Donc c'est une question quoi? C'est une question d'apprentissage et de savoir. Et que la aqida la ilaha illallah, ce n'est pas une phrase seulement qu'on dit, mais connaître le medloul de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit en disant la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Allah? C'est quoi ce ilah? C'est quoi ce qui annule? C'est quoi? Donc c'est très important de
d'apprendre son dîn. Et que celui qui n'apprend pas, il va quoi? Il va patiner, il va rester sur place, jamais avancer. L'âme. Et il n'a pas la science nécessaire. Peut-être qu'il a appris quelque chose de faux. Quelque chose de faux. Ça, c'est la première des choses, que ça a besoin d'abord de science, surtout la aqida. Et la deuxième des choses qu'on prend de ce verset, il a dit, sache qu'en vérité, il n'y a point de vérité à part Allah Azzawajal. Ensuite, il a dit, et implore le pardon pour ton péché. Implorer le pardon pour le péché, c'est, yani, ce qu'on dit en arabe, ta'amal. C'est-à-dire, c'est appliquer. C'est-à-dire, c'est faire des actions. On prend de ce verset que, yani, la science précède les actions. La science prime sur l'action. Je dois d'abord apprendre, ensuite je vais implorer le pardon pour mon péché. Là. Car si je n'apprends pas, j'ai pas de science. Je ne sais pas que c'est un péché. Pour pouvoir implorer le pardon, il faut savoir que j'ai fait un péché. Moi, je ne sais pas que c'est un péché. J'ai pas de science. Moi, je tourne autour de la tombe et je crois que je suis en train de faire quelque chose de bien. Et je vais à la tombe, je demande au défunt qui est mort, je lui demande de faire des doigts pour moi, pour que l'âme me donne des enfants. Et encore, si je demande pas aux morts, hein, si je dis pas directement aux morts, ô toi le mort, donne-moi des enfants, c'est déjà bien. Donc je l'ai pris comme intermédiaire, je lui dis, demande-toi, tu étais, mashallah, un saint, demande à Allah de me donner des enfants, et je n'ai rien fait de mal. Comme ça je pense. Pourquoi je n'ai pas de science? Donc pour implorer Allah Ta'ala le pardon, il faut que j'ai de la science pour savoir que j'ai fait un péché. Car celui qui ne sait pas qu'il a fait un péché ne peut pas implorer le pardon. C'est pour ça que quelqu'un qui est mubtadi', dans la plupart des temps, il ne revient pas vers le droit chemin. Pourquoi? Car il ne sait pas qu'il est dans le faux. Il a des dalils, il te cite des versets et des hadiths. Et c'est donc, c'est mieux que lui, c'est le clochard. Le clochard, tu vas lui dire pourquoi tu as bu de l'alcool. Il te dit, je sais que c'est haram, mais mon nefs, je ne peux pas me retenir et j'ai des problèmes. Ma femme et mes enfants m'ont fait des problèmes, je me suis saoulé. Mais, Inch'Allah, je vais prendre une douche et je vais prier. Même s'il ne prie pas, au moins il sait qu'il est dans le péché. Le mubtadi', non. Te dis, c'est toi qui es dans la faute. Oh, regarde, même moi j'ai des versets, des hadiths. Et moi, pour connaître Allah Ta'ala, quiconque veut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence à apprendre la aqida. L'âme, à lire les livres, les vrais livres de Al-Sunnah al-Jama'ah, des grands savants. L'âme, les livres fiables, des savants de confiance. Quand il commence à apprendre, mashallah, le chemin va s'éclaircir. Son cœur va s'illuminer. L'absurde de la foi. Il va trouver l'apaisement du cœur, l'âme. Alors ça va l'inciter à quoi? À faire yani, des efforts. À prier une nafila, à jeûner une nafila, à donner de l'aumône. L'âme. Et si quelqu'un yani, est loin de la science, il veut rien apprendre, ni écoute les cours, comment voulez-vous que tout seul, yani, il dise hey, je vais commencer à prier une nafila, à faire ceci. Non, il ne sait même pas que prier une nafila, ça donne beaucoup de hasanat. Il sait pas que jeûner, par exemple, lundi et jeudi, ça donne des hasanats. Il sait pas ça. Donc, tout repose sur la science, bidlatin. Ensuite, en demandant la science, il y a une chose très importante. Je demande pour Allah Ta'ala. Il y a ce qu'on appelle la sincérité. Si je demande la science pour que je devienne savant, et que les gens parlent de moi, que je sois réputé, ou alors je veux demander la science pour, yani, que je sois réputé dans le quartier. Que ce soit moi qui, yani, je vais commencer à donner des cours et les gens vont se regrouper autour de moi. Tout cela, ça ne va pas te mener loin. Naam. Tu vas vite voir que tu t'es trompé de chemin. Allah Ta'ala, quand on l'adore en espérant que lui soit ravi de nous, pas les gens. En espérant que lui nous fasse rentrer dans son paradis quand on meurt. Pas que les gens nous fassent des éloges. Naam. En espérant que Allah subhanahu wa ta'ala yani, me préserve de l'enfer. Et non pas que les gens yani, me préservent et ne parlent pas de moi en mal. Tout cela, ça contredit la sincérité. C'est pas yani, maintenant je veux faire tawbah, etc. à cause des gens. C'est une mode. Des fois c'est comme ça, c'est une mode.
comme des sœurs. Il y en a qui suivent la mode du djilbab. Puis maintenant, dans le quartier, tout le monde sait djilbab. Allez, c'est une mode. Je ne vais pas rester comme ça toute seule. Moi, quand je mets le djilbab, je le mets pour Allah Ta'ala. Je suis convaincu que si je meurs comme ça, je vais aller en enfer. Kessiyet aliyet. Non, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une question de mode. La preuve, quand je vais le mettre, même si toutes les autres qui m'ont précédé l'enlèvent, je ne vais pas l'enlever. Alors que si je l'avais mis, si je le mets mode et imitation des autres, dès que les autres l'enlèvent, moi aussi je l'enlève. Je l'ai mis question de mode. Non. La sincérité est très très importante. Très très important. Les trois premières personnes qui vont être jetées en enfer avaient un problème de sincérité. Le premier, il faisait le djihad. Le troisième, il donnait beaucoup d'argent. Fisabilillah. Et pourtant, on va être en enfer. Le premier va dire, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, j'apprenais cette science et le Coran pour toi et ton visage. Allah ta'ala lui dira, tu as menti. Ensuite, les anges diront, tu as menti. Allah ta'ala lui dira, tu as appris cette science pour que les gens disent de toi, tu es un savant. Jetez-le. Il le jette en enfer. Problème de quoi? Sincérité. C'était pas pour Allah, pour les gens. Toi, le deuxième, tu as fait le djihad, pourquoi? Ya Allah, pour que ton nom soit le plus haut. Allah Ta'ala lui dira, menteur, les anges vont dire menteur. Allah Ta'ala lui dira, djihad, pour que les gens disent de toi, c'est un courageux. Masha'Allah, comme il est courageux. Jetez-le en enfer. Problème de quoi? Sincérité. Il n'a pas fait le djihad pour Allah, pour les gens. Mais c'est plutôt pour les gens, pour qu'ils parlent de lui. Et ils mettent sa photo dans les journaux, masha'Allah. Regardez celui-là, il fait le djihad, il est parti en Afghanistan, il n'a pas peur, et ceci, cela. Et toi, le troisième, qu'as-tu fait avec tous les biens que je t'ai donnés? Je les ai donnés. Voilà. Je les ai donnés, fisabilillah, etc. Menteur. Tu les as donnés pour qu'on dise de toi, tu es quelqu'un qui aime faire le bien. Je t'ai donné en enfer. Problème de quoi? De sincérité. Quand quelqu'un m'a raconté une fois, il m'a dit à une personne qui donnait, on était en train de construire une mosquée dans un petit village. Une personne leur donnait, de temps en temps, leur ramenait quoi? Leur ramenait du ciment. Ils ont besoin pour la mosquée du ciment. Leur ramenait des briques rouges, un camion, et comme ça. Non. Ensuite, une fois, il leur a dit, j'ai patienté avec vous, si dans le prochain Jumu'a, si l'imam ne me cite pas, il ne dit pas que je suis en train de ramener les briques, etc., j'arrête et je ne ramène plus. Subhanallah al-Azim, wa la hawla wa la Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Ça s'est passé dans un petit village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, tous les autres gens qui n'ont pas fait comme lui, c'est-à-dire n'ont ramené aucune brique, ni aucun un kilo de ciment, sont mieux que lui. Car eux au moins ils n'ont pas fait de shirk. Non, ils n'ont rien fait, ils sont neutres. Et celui-là dit non, je ramène, mais je veux que l'imam dise mon nom. Le vendredi dans la khutbah, qu'il dise, voilà tous les briques et le ciment qui arrivent, c'est grâce à Mohammed ben Qaddour qui ramène, yani, il nous envoie le camion, etc. Que Allah Ta'ala nous préserve. Tfadlal. Donc c'est ça, inshallah ta'ala, pour yani, avancer dans le din et aimer Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'il nous aime. Tfadlal. Prochaine question d'un frère. Hayakumullah, cheikh, notre Jumu'ah est à 13h, avant l'entrée de l'heure du Dhuhr. Un frère de la Sunna parmi nous est d'avis que Salat al-Jumu'ah n'est pas valable avant l'entrée de l'heure du Dhuhr. Et il va prier Salat al-Jumu'ah chez les gens de l'innovation. Avez-vous un conseil à lui donner et un conseil à nous donner? Jazakallahu khairan. Tafaddal, cheikh. Il faut dire que je n'ai pas bien compris la question. Elle dit notre Jumu'ah est à 13h avant l'entrée du Dhuhr. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Et je voudrais savoir ensuite à quelle heure yani, la Jumu'ah normalement c'est chez vous, ou bien à quelle heure
c'est devant chez vous. Avant que vous me répondiez, je prends inchallah ta'ala une petite pause et je reviens inchallah ta'ala sans tarder bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum. Est-ce que c'est possible donc de me réexpliquer la question? Tafadhal. Donc je reviens sur la question. Donc le frère dit que notre Jumu'ah est à 13h avant l'entrée de l'heure du Dhuhr. Un frère de la Sunna parmi nous est d'avis que cette Jumu'ah n'est pas valable avant l'entrée du Dhuhr. Et il va prier cette Jumu'ah chez les gens de l'innovation. Avez-vous un conseil à donner et un conseil à nous donner? Moi, je peux vous donner un exemple personnel. Par exemple, ici, dans la région lyonnaise, si on regarde sur le calendrier, le Dhuhr, il était à 13h51. Et ici chez nous, on fait le Jumu'ah à 13h et la Salat, on l'a fait à 13h30. Donc 13h, la khutbah commence et à 13h30 commence la Salat. Donc voilà, à tafadhal cher. Taïeb, et maintenant, si vous m'entendez, Taïeb, je dis, le plus important, c'est de savoir, est-ce que sur le calendrier, par rapport au Dhuhr, c'est écrit, yani, ils annoncent ou ils écrivent le moment de Salat al-Dhuhr ou bien le moment du Zawal. Le Zawal, c'est-à-dire quand le soleil quitte le zénith. Car le soleil, quand il se lève du levant et commence à venir de l'est en allant vers l'ouest, il va arriver un moment où il sera en plein milieu du ciel. Tu lèves ta tête, tu le trouves sur ta tête. On dit il est dans le zénith. Maintenant, à partir du moment où il va quitter le zénith vers l'ouest, à partir du moment où il l'a quitté, on dit c'est le Zawel, à cause du soleil, Zala et Zulu. Donc, à partir du moment où il quitte, c'est Salat al-Dhuhr. Al-Dhuhr. Et si c'est Salat al-Dhuhr, c'est Salat Jumu'ah. La Jumu'ah ne peut pas avoir lieu si c'est pas encore le Zawel. Contrairement à certains grands fuqaha qui disent que c'est permis un peu auparavant. Donc, je ne peux pas répondre à la question si je ne sais pas c'est quand le Zawal dans cette région ou dans cette mosquée. Si la Jumu'ah se fait après le Zawal, c'est d'accord. Si elle se fait avant le Zawal, ce n'est pas possible. Tfadlal. Tayyib, question suivante. Question d'un frère, il me semble. Cher, lors de mon mariage, ma belle famille a préparé un repas, mais sans que je ne dépense un sou. Et les gens ont su que je suis marié. Est-ce que c'est nécessaire de faire la walima, sachant que cela fait 2 ans que je suis marié, alhamdoulilah, et nous avons un enfant, barakallahu fikoum. Je vais répéter ta question, parce que c'est un peu... Lors de mon mariage, ma belle famille a préparé un repas, mais sans que je ne dépense un sou. Et les gens ont su que je suis marié. Est-ce que c'est nécessaire de faire la walima, sachant que cela fait 2 ans que je suis marié, et nous avons un enfant, barakallahu fikoum. Tafadhal. Dans le mariage, quand il faut faire la walima, ce n'est pas obligé que ce soit nous qui la faisons de notre propre argent. L'essentiel, c'est de faire la walima, comme ça les gens ils disent c'est quoi ça, bon c'est ça cause du mariage de X avec Y ou là de notre sœur ou là de notre frère et comme ça. Donc l'intéressant dans tout cela, c'est de faire une walima. Maintenant, qui a fait avec l'argent de qui, ça n'a pas d'importance. Si les voisins veulent me faire la walima, si mes parents veulent me la faire, si ma belle-mère, si ma belle-famille, si, vous avez compris. Non, tfadhal. Prochaine question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum. Lors du rousl, je fais mes petites ablutions en laissant les pieds pour la fin. Je souhaitais savoir s'il fallait dire Bismillah pendant le rousl et à quel moment. À la fin du rousl, faut-il faire la dua comme à la fin des ablutions? Et pour finir, est-il permis de faire le mesh si après le rousl, on met des chaussettes comme pour les ablutions? Barakallahu fikoum. Tafadhal cheikh. Pour le rousl, quand quelqu'un fait le rousl, il y a deux hadiths. Hadith de Aïcha
et le hadith de, je crois, Umm Salama. Je crois. Les deux sont authentiques. L'un des deux hadiths, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand le prophète, alayhi salam, commençait le rosl, bon, à part que il avait ses parties intimes, ensuite lavait ses mains, il commençait par le wudu. Il dit, bismillah, il commence par le wudu. Donc, comme ça, qu'on fait pour le rosl. Quand je dis bismillah, je commence par le wudu. Maintenant, l'un des deux hadiths a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu et laissait ses pieds. Quand il arrive à ses pieds, il les laisse. C'est-à-dire, il fait ses oreilles, ses cheveux plutôt. Ensuite, ses oreilles et il s'arrête. Il ne va pas à ses pieds. Ensuite, il commence le rosl en jetant de l'eau sur sa tête et en descendant jusqu'à ce qu'il termine par laver les pieds. Et d'autres ont dit, le deuxième hadith, celui d'Aïcha, je pense, radiallahu ta'ala anhuma, a dit que quand il voulait faire le rosl, il avait ses parties intimes, ensuite lavait ses mains, disait bismillah, commençait les ablutions, les petites, jusqu'à terminer ses pieds. Quand il termine ses pieds, il commence le rosl de la tête et il descend. Les savants ont dit, entre les deux hadiths, comment qu'on va faire? Les deux sont authentiques. Bien sûr, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Celle-là l'a vu faire ainsi le rosl et l'autre l'a vu faire ainsi le rosl. Donc il y a pas. Donc il y a deux façons de le faire, si on peut dire. Mais certains dans ce rosl ont dit que le plus fort, un peu, ce qui est un peu plus fort, c'est de terminer les pieds, de ne pas les laisser jusqu'à la fin. Quant au prophète Aslam, il laissait ça à la fin. Ils ont dit justement parce que quand il commence à se laver, naam, les petites ablutions, ensuite, ils ont dit, il laisse les pieds. Pourquoi? Car quand il commence à faire le rosl, ils ont dit, ensuite, il doit se déplacer. Car, maintenant, cette eau qui descend de nous est sale, donc je me déplace pour laver mes pieds et sortir. Donc, c'était autrefois. Maintenant, de nos jours, non. Dans la baignoire, tu jettes l'eau et l'eau, il y en a automatiquement, sort et va dans l'égout. Donc, il n'y a plus ce problème qui se posait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que certains savants disent, le plus juste maintenant, même si les deux formes, yani, les deux choses sont justes et c'est la sunna. Mais on dit, on donne un peu de préférence à ce que au fait de hadith de Aïcha, de terminer tout le wudu en terminant les pieds. Ensuite, je passe à ma tête et, yani, du haut jusqu'au bas. Maintenant, ce n'est pas obligé quand j'arrive à ma tête de dire bismillah. Ce n'est pas obligé. Pourquoi? J'ai commencé par les ablutions, j'ai dit bismillah. Non, mais ça, c'est la suite des ablutions. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand je termine le rosl, je dis le tashahhud. Shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min tawwabin, allahumma ij'alni min mutatahhirin. Non. Et maintenant, quand je me suis séché, naam, et j'ai mis mes habits, j'ai mis les chaussettes, si après je veux essuyer sur les chaussettes, je peux. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que j'ai fait les ablutions et le rosl. J'ai fait les deux. J'ai commencé par les ablutions et j'ai terminé par le rosl. Donc, c'est permis, inshallah ta'ala, d'essuyer sur les chaussettes après. Donne-moi, inshallah ta'ala, la dernière question maintenant. Donc la dernière question sera une question d'une sœur. J'aimerais savoir s'il est possible de changer une intention concernant une aumône, car j'ai fait une aumône pour certaines personnes et ces mêmes personnes m'ont fait tellement de mal et d'injustice que j'en suis venu à regretter mes aumônes en leur nom. Barakallahu fikoum pour vos conseils. Tafaddal cheikh. Une seconde, inshallah ta'ala, je vais vous citer un verset. Une seconde. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire wala ya'tali, wala ya'tali. Je vais voir s'il me donne là. Une seconde. Alhamdulillah, il m'a donné le verset. Tayyib. Donc, je réponds, je dis, ce n'est pas possible de changer l'intention après avoir donné la chose.
Mais ça nous arrive à tous. Des fois, tu donnes une chose, si tu dis, dommage, j'ai pas fait l'intention pour telle et telle chose. Hein? Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui a un malade, supposons quelqu'un qui a son fils malade, ou bien sa fille malade. Il y a le hadith du prophète sallam qui dit, soignez vos malades avec l'aumône. C'est-à-dire en donnant de l'aumône. Alors toi, des fois, tu marches dans la rue, tu trouves quelqu'un qui a besoin d'argent, qui te demande de l'argent, tu lui donnes. Ensuite, en marchant un peu, tu te rappelles, tu dis, subhanallah, pourtant, mon fils est malade, j'aurais dû dire, et mettre dans mon cœur que j'ai donné cet argent à cause du hadith, soignez vos malades, en donnant de l'aumône. Tu dis, c'est dommage. Est-ce que je peux revenir et faire l'intention? C'est trop tard. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala est shakur. Naam. Si c'est que tu veux à cause de ton fils ou si tu avais, tu aurais donné dans cette intention, Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce que tu avais, Inch'Allah ta'ala, dans le cœur. Reste que seulement on ne peut pas changer d'intention. Et ça peut être très visible, ça peut être très visible quand, par exemple, j'ai 50 € que je dois donner comme zakat al-mal. Je dois donner, j'ai compté mon argent, je dois donner 50 € comme zakat. Voyez. Ensuite, moi, je trouve des gens qui ont besoin d'argent ou là, une association qui a besoin d'argent est fiable, par exemple, je leur donne, par exemple, 50 €. Ensuite, après les avoir donnés, je me rappelle, en revenant vers la maison, moi je me dis, subhanallah l'adim, j'ai oublié que j'avais 50 € zakat. Normalement, cet argent, je l'aurais donné comme zakat. Comment je vais faire maintenant? Je n'ai plus d'argent pour donner un zakat. Il me faut 50 €. Je vais dire, je vais changer de niya. Je vais dire, l'argent que j'ai donné, c'est zakat. Ça compte pas. Tu es toujours dans l'obligation de donner la zakat. Car cet argent, tu ne l'as pas donné avec l'intention de la zakat, on ne peut pas revenir sur la niya. Maintenant, je reviens à ce qu'a dit la sœur ici. Elle a dit qu'elle a donné de l'argent à des gens, ensuite, elle a remarqué que ces gens, ne sont pas bien, etc. Ils ne méritent pas. Je leur dis, Abu Bakr Siddiq, je dis à cette sœur, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, connaissez quelqu'un, s'appelle Mistah, hein, et qui est allé à chaque fois, ou chaque mois, ou bien chaque occasion, lui donner comme une paye. Non, une paye comme ça pour l'aider chaque mois peut-être, ou presque chaque mois. El Mouhim. Et Mistah, radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il y a eu le problème de Aïcha, radiyallahu ta'ala, et que les hypocrites ont dit qu'elle avait fait le haram, lui, il a été trompé, il a été parmi les gens qui ont dit de Aïcha qu'elle a fait le haram. Et même que le prophète, alayhi sallam, l'a quoi? L'a fouetté. Le mouhim, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a su que ce Mistah, radiyallahu ta'ala, a parlé ainsi sur sa fille, et qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment une chose très grave. Il a dit, je jure par Allah, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne lui donnerai plus aucun sou. Allah Ta'ala qui l'a entendu et avant qu'il le dise savait qu'il allait dire cette phrase. Quand Abu Bakr a dit cette phrase, Allah Ta'ala fait descendre le verset suivant. Je le dis d'abord en arabe. Allah Ta'ala a dit, bon, je ne suis pas connecté une seconde, Voilà. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, a dit dans Sourate An-Nur 22, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est-à-dire, Abu Bakr a juré qu'il n'allait plus donner d'argent à Mistah. Allah Ta'ala fait descendre ce verset. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous, c'est-à-dire Abu Bakr, ne jure pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah Ta'ala vous pardonne
et Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsqu'Allah Ta'ala a fait descendre ce verset pour dire à Abu Bakr que il ne faut pas faire comme ça. Naam. Toi, tu donnes pour Allah. Tu n'aimes pas qu'Allah Ta'ala pardonne. Allah est pardonneur et miséricordieux. Il a dit à Allah, j'aime le pardon. Et Allah, j'aime le pardon. Et il a continué à lui donner de l'argent, même s'il a parlé sur qui ? Sur sa fille la plus aimée, dans quelque chose de très très grave. On revient à la sincérité. C'est ça, être sincère avec Allah. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Il a parlé sur ma fille. Celui-là, je ne vais plus lui parler toute ma vie. Toute ma vie. Et encore moins lui donner de l'argent et lui donner une paye par mois. Mais les selfs, non. Moi, je vis pour Allah. Même si je donne à cette personne, Allah est ravi de moi. C'est l'essentiel. Qu'il ait parlé sur moi, sur ma fille ou sur mon père, ça m'est égal. Allahu Akbar. Naam. Donc, je dis à cette sœur, si tu as donné, fils, malgré que ce sont des gens qui ont fait du mal ou qui t'ont insulté ou calomnié ou ont calomnié d'autres ou, alhamdoulillah, la récompense arrivera. Et dans le hadith authentique qu'un homme a dit demain, je vais donner quelque chose à mon monde. Il est sorti le lendemain, il a vu qu'un nécessiteux lui a donné une chose à mon monde. Les gens, naam, ont parlé. Ils ont dit, subhanallah al-adim, il a donné de l'aumône à un voleur. Alors cette personne s'est attristée. Et la nuit, quelqu'un lui a dit dans le rêve, naam, il lui a dit, yani, alhamdulillah, même à un voleur, ça veut dire que c'est accepté. Et il a dit donc, malgré cela, je vais, inshallah ta'ala, me rattraper. Le lendemain, il a dit, je vais donner une autre aumône. Il est sorti, il a trouvé une femme, il lui a donné une aumône. Les gens ont parlé, ils ont dit, il a donné de l'aumône à une fornicatrice. Naam. Ça l'a chagriné, il a dit, donc je vais me rattraper, je vais donner à une autre personne. Le troisième jour, il a sorti de l'aumône, il a donné à un homme, à quelqu'un qui paraissait pauvre. Les gens ont dit, il a donné de l'aumône à un richard. Alors cette personne, quand elle est allée s'endormir la nuit, donc c'est le troisième jour qu'elle a vu dans le rêve, pas le premier jour. Quelqu'un lui a dit dans le rêve, alhamdulillah, par rapport à qui ? Par rapport, tu as donné au voleur. Pourquoi ? Peut-être qu'il volait parce qu'il n'avait pas il avait besoin d'argent, il n'avait pas de quoi se nourrir ou nourrir sa famille ou il n'y avait plus d'autre solution. Peut-être que maintenant, lui donnant cet argent, il va cesser de voler. Quant à la fornicatrice, peut-être que elle faisait ça par besoin. C'est pas par tentation et par passion, mais par besoin. Elle n'a pas. Comment qu'elle fait ? Elle n'a que cette solution. Peut-être qu'elle va arrêter maintenant que tu lui as donné de l'argent. Et le riche, alhamdoulilah, peut-être que, yani, une leçon. Il va dire, comment ? Moi, le Richard, on me donne de l'argent. Normalement, c'est moi qui dois donner de l'argent aux autres. Peut-être que ça va lui travailler, et il va se corriger, bi'idhnillahi ta'ala, et ça va être un rappel pour lui. Conclusion, je dis à cette sœur, ebshiri, alhamdoulilah, tu as fait quelque chose, si c'est billah, ne regrette pas, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense qu'il faut, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour les prochains jours, si tu veux plus donner à ces gens-là que tu as donné, tu es libre, bi'idhnillahi ta'ala, personne ne te force à donner. Voilà, aujourd'hui, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, jazakumullahu khair.